Alors ici, nous sommes dans une ruine d'un château médiéval de Chauvigny, dans lequel nous avons installé, nous, tous nos oiseaux de différentes espèces, notamment des rapaces, mais aussi des perroquets, des cigognes, avec lesquels on fait un spectacle et qui évolue en plein air tout autour de nos ruines, dans la cité médiévale. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un spectacle de qualité, évidemment, ça c'est la première chose, mais c'est aussi passer du temps avec les visiteurs avant ou après le spectacle pour discuter notamment de la fauconnerie et du dressage des animaux. À moyen terme, on veut installer aussi des jeux en bois, etc., pour que les gens se sentent dans le site un peu comme chez eux et qu'ils y passent du temps, quoi. Nous, dans ce site, il faut que les gens soient contents d'y revenir et reviennent avec de la famille ou des amis, justement, pour qu'ils s'y sentent bien, qu'ils passent du temps avec les dresseurs ou avec les oiseaux, et que dedans, ils se sentent un peu comme chez eux. L'intérêt, et ce qui est souvent amusant pour les gens sur notre site, c'est que nous, en parallèle de l'activité qu'on a dans le Château des Aigles à Chauvigny, on a une activité cinématographique, donc on fait beaucoup de tournages. Notamment, on a pu voir récemment nos deux perroquets avec lesquels on est parti 2 mois au Mexique pour tourner le film d'Alain Chabat sur la piste du Marsupilami. Donc après, c'est vrai que les gens les revoient, ou d'autres oiseaux avec lesquels on travaille aussi pour le cinéma. Donc voilà, c'est vrai que pour les gens, c'est toujours amusant de voir un peu l'envers du décor, quoi.